Bonjour les cœurs. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous m'aviez manqué. Hein. Bonjour. Bonjour mes amours. Même mes jeunes, bonne fête, bonjour. J'attends un peu que vous soyez connectés. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les abeilles. Bonjour les sympathisants. Bonjour à toutes les femmes du monde entier. Coucou les cœurs. Vous allez bien? Je prends ma position et puis je suis à vous. Bonjour les amours, vous allez bien? Je vous ai manqué ou pas? On dirait pas. Hein? Bonne fête les amours. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Okay. Bonne fête tout le monde. Voilà, je vais pas être longue. Je vais vraiment pas être longue. Bonne fête aux abeilles, aux sympathisants. Voilà, je fais ce petit live seulement pour vous souhaiter bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête, vraiment bonne fête. Voilà, vous savez, depuis un moment, vous m'aviez pas vue sur les réseaux. Je suis restée silencieuse, tout simplement parce que j'ai ma mère. J'ai ma mère qui est souffrante, qui est malade, qui est hospitalisée depuis quand même. Donc au début, j'étais là, je faisais quand même les directs. Mais après, après vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous aimez, qui n'est pas bien, vous aussi, vous n'êtes pas bien. Donc du coup, ça m'a beaucoup affecté. Hein. Ça m'a beaucoup affecté, l'effet de la voir comme ça à l'hôpital, chaque fois quand je vais... Elle dit qu'elle rentre quand, tout ça, ça m'a énormément affecté. Et c'est un truc que tu ne peux pas avoir le contrôle sur ça. Il est bien vrai qu'en France, les soins médicaux, voilà quoi, c'est quelque chose qu'on ne s'amuse pas avec. Elle est hospitalisée, elle est entre les bonnes mains. Mais ça m'a énormément affecté parce que je ne me voyais pas, je ne me vois pas en train de venir rigoler, taper les divers comme si de rien n'était. Et puis c'est un truc qu'on ne force pas, vous voyez. Ça ne se force pas quoi. J'étais mal, j'étais pas bien. Sincèrement, j'étais pas bien du tout. Donc voilà pourquoi on me voyait pas. Je suis là, je vais bien. Voilà. Donc c'est juste que comme ma mère elle est souffrante, du coup ça m'a beaucoup affecté. Vraiment, je j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et pour faire un direct, tu vois, c'est un truc que tu ne forces pas en fait. Tu peux pas forcer. Tu peux venir là t'asseoir. Je commence à non, c'est pas possible quoi. Je n'arrivais pas. Voilà, c'est la raison de mon absence en fait. Mais là, les médecins, elle va sortir la semaine prochaine. Elle va sortir la semaine prochaine. Donc du coup, moralement, ça va pour moi.
Parce que moralement, vous savez, le moral, c'est un truc que tu peux pas. C'est un truc que tu peux pas contrôler, en fait. Quand tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Quoi que tu fasses, tu n'es pas bien. Donc, voilà. Et merci à toutes ces personnes-là qui m'envoient des messages pour. Voilà, pour lui souhaiter bonne guérison. Désolée de ne pas répondre aux appels de certaines personnes. Tout simplement parce qu'à un moment comme ça, là, tu te dis, bah, si tu commences à répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, vraiment, merci pour tous vos messages. C'est réconfortant de savoir qu'on a des gens, des personnes qui pensent à nous. C'est pas parce que j'ai fui Facebook bien, mes comptes, non. C'est juste, c'est la première fois, en fait, alors que c'est la première fois qu'elle soit vraiment affectée comme ça, hein. Alors qu'elle a déjà tapé un mois à l'hôpital, mais cette fois-ci, vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Donc, voilà, elle va de mieux en mieux. Elle s'assoit déjà. Elle mange déjà toute seule. C'est vrai que son alimentation va complètement changer. Je vais essayer de vraiment de faire attention. Même à moi-même, parce que le diabète, c'est quelque chose... C'est héréditaire, des fois. Apparemment. Je ne prends pas ici. Hein. Ok. Donc... le diabète, des fois, c'est héréditaire. Et comme nous sommes dans l'alcool, moi, dans la jonque, tout ça là, les manger n'importe comment, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Voilà, c'est ça, en fait. C'est la raison de mon absence. C'est pas parce que je peux pas prendre mon téléphone, m'asseoir, faire les lives et tout, mais je ne peux pas. C'est un peu comme si je partais dans une soirée. J'ai pas été dans les soirées qui étaient prévues. Parce que, oh, il y a le marché ici. Mince. Oh là là. Voilà, donc j'ai pas été dans les soirées auxquelles j'étais normalement prévue être, tout simplement parce qu'elle a été hospitalisée. Je me voyais pas d'aller loin alors qu'elle n'est pas bien. Je me dis que si les médecins, s'il y a un truc, c'est moi qu'on appelle. Si ça ne va pas, c'est moi qu'on appelle. Vous savez comment ça se passe ici. Comment je fais, en fait? Parce qu'en fait, voilà. Donc s'il y a un truc, bon, on m'appelle, les médecins m'appellent. Et tout, donc si on m'appelle et que je suis à l'étranger, comment ça va se passer? Commencer à envoyer les gens, voyez un peu, c'est ma responsabilité, j'ai pris ça. J'ai accepté ces responsabilités, je l'assume. Je ne vais pas commencer à appeler les amis. Oh, pardon, le médecin m'a appelé, mais je ne suis pas là. C'est monté, c'est descendu. Voilà, donc c'est ça, en fait. Donc c'est pour ça que je n'étais pas disponible. Mais depuis hier, comme les médecins ont rassuré, le médecin a dit qu'elle va sortir. Elle va sortir. Donc, elle va sortir la semaine prochaine. Déjà, c'est bien. Donc, du coup, voilà, ça va. J'ai repris mon moral. Ça va aller tout doucement, mais ça va. Ça va. Donc, ne gérez pas trop les ragots. Enfin, vous connaissez, non. On a déjà l'habitude de tous ces ragots. J'ai vu... un faux profil d'en face, quelqu'un m'a envoyé, et j'ai horreur de ce genre de choses, en fait. Sincèrement, je ne sais pas combien de fois je vais dire aux gens qui ont mon numéro de téléphone d'arrêter de m'envoyer certaines choses de Facebook. Facebook, je ne suis pas addict, en fait, aux réseaux sociaux. Je peux m'arrêter quand je veux. Moi, j'ai le contrôle. Les réseaux sociaux n'ont pas de contrôle sur moi. Donc, je peux décider de ne même pas regarder. Il y a des moments, je ne regarde même pas les réseaux, là. Et je souhaiterais que certaines personnes respectent. Je ne comprends pas comment les gens vont capturer des choses sur Facebook et m'envoyer sur mon téléphone. Et quand je vais vous bloquer, vous allez dire que elle est le manque de respect. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes sur les réseaux, c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez, vous patrouillez, vous faites ce que vous voulez. Mais respectez les gens. Pour moi, c'est un manque de respect. Et je le redis encore aujourd'hui. Arrêtez de m'envoyer souvent les histoires de Facebook. Quand je décide de couper avec Facebook, j'ai décidé. Je ne regarde, fait toute une journée, je ne regarde pas. Je ne cherche même pas à savoir. Parce que comme je vous ai dit, ma mère, elle est malade et moi, je suis à la maison, à l'hôpital. Je vais le matin, je reste avec elle. Le soir, je repars, il y a des heures de visite. Hein? Je respecte. Donc le reste du temps, je suis là, je ne fais rien. Mais je n'ai pas envie d'aller sur Facebook. Je préfère regarder les informations, d'écouter la musique. Il y a des moments comme ça dans la vie. Donc arrêtez de me partager des choses inutiles. Ce n'est pas possible. J'ai vu une dame qui m'envoie une capture d'écran d'un faux profil
qui dit, qui a annoncé carrément les détracteurs, quoi. Ils ont carrément annoncé comment ma mère, elle est morte et tout. J'ai même vu Tata Aline m'appeler hier. Elle essaie de me joindre peut-être 3 fois. Je pense qu'elle voulait se rassurer, elle voulait avoir des nouvelles. J'ai dit à Aline Zomo même, merci à elle d'avoir essayé de me joindre. J'ai vu ses appels en absence après. Hein? Donc, j'ai vu un faux profil. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran l'autre jour, un faux profil qui, d'en face, c'est des gens d'en face, les faux profils des ténébreux. Des faux profils des ténébreux, un faux profil des ténébreux qui a partagé dans un groupe, le groupe c'est la team PDG. Moi, je ne sais pas qui a créé ce groupe. Vous créez un groupe à mon nom. Je ne sais pas si la personne qui avait créé ce groupe a seulement perdu le mot de passe. Mais on ne peut pas partager des bêtises comme ça. Comment un faux profil, même derrière un faux profil, il y a quand même des gens. C'est quand même des humains qui sont derrière. Même dans la guerre qu'on se fait sur les réseaux sociaux, la guerre inutile bien sûr, mais il y a quand même des limites. Vous ne pouvez pas souhaiter, même si, je veux dire, qui souhaite perdre son parent? Personne ne souhaite perdre son parent. Vous ne pouvez pas annoncer que oui... voilà, vous annoncez comment ma mère est décédée, c'est machin, tout ça, c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo du tout. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a, j'ai compris que vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas de cœur, même quand on a des patrons, même quand on est en désaccord avec des gens, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu ne peux pas souhaiter la mort d'un parent, de quelqu'un, non. C'est incroyable ça. Quelqu'un ne peut pas se permettre de partager ce genre de choses. Même pour rire, on ne rit pas avec la mort. Même si tu as ta mère qui n'est qu'un légume, qui est déjà hospitalisée, que ça ne va pas, mais tu ne souhaites pas la perdre. Je suis désolée. Tu souhaites la voir. Je préfère la voir, je la nourris, je suis autour d'elle. J'ai même sacrifié ma vie amoureuse, tout ça, pour m'occuper de mon... C'est un choix, ça ne me gêne pas. Et l'homme qui va venir dans ma vie va comprendre que je vis avec ma mère. Et que je suis son tout. Donc vous ne pouvez pas, je ne comprends pas, vous, quelqu'un, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous êtes des femmes. C'est la femme qui porte. Quand une mère, quand un parent vieillit, ce parent devient comme un enfant. C'est à toi, l'enfant, de t'occuper de ton parent. Et c'est le souhait de tous les parents. Nos parents, quand ils perdent peut-être un enfant, ils se disent toujours, j'aurais aimé que c'est mon enfant qui m'enterre. Je ne peux pas enterrer mon enfant. Vous voyez un peu la douleur. Donc, pour dire que je suis heureuse de m'occuper de la mienne et je l'assume d'être venue en France avec elle. Parce que, sans vous mentir, si elle est au Cameroun, c'est qu'elle est déjà partie depuis. Hein. Je vois des personnes qui disent que okay, non, il faut rentrer au Cameroun avec elle. Machin, tout ça. Hein? C'est pas... C'est incroyable. Moi, j'ai toujours eu des limites. Il y a des choses que je... Même dans la guerre, il y a des choses que je ne peux jamais me permettre pour rien au monde. Jamais. Quelqu'un ne peut pas, même derrière ses faux pour... Vous avez des patrons. Vous avez des patrons, vous avez des personnes, vous avez... Comment un faux profil? Tu aimes quelqu'un, tu as ta patronne que tu soutiens, je n'en disconviens pas. Mais tu annonces que la mère de quelqu'un, de ma mère, est morte et tu identifies les gens pour dire qu'ils m'ont souhaité les condoléances. Mais c'est de la pure méchanceté, mes soeurs. Quand j'ai vu ça, la personne qui m'a envoyé ça était en pleurs. Et j'ai dit, mais attendez, s'il m'arrive un malheur, quand tu avais un parent, ça n'a pas arrivé. Je touche du bois. Je touche du bois, que ça n'arrive pas. Que je reste même encore, même 2 jours avec elle. Mais si ça arrive, mais il y aura un communiqué, ça sera annoncé. Puisque c'est une maman qui est connue sur les réseaux. Ça sera dit. Ce n'est pas les faux profils qui vont alors annoncer. C'est incroyable, hein? C'est... Moi, je pense que... Vous savez, on dit toujours que la bénédiction d'un enfant passe par le parent. Et il y a des choses que même dans la guerre, il faut avoir des limites. Sinon, la malédiction. Quelqu'un qui te maudit n'est pas forcément ta mère qui t'a mise au monde.
Oh, regardez-moi celle-ci. Hein? Tu ne peux pas te lever, tu dis qu'un parent. Non, ce n'est pas possible. Parce que même dans nos guerres, là, moi, je ne me suis jamais attaquée à un parent. Hein? Je suis quelqu'un qui a une éducation, qui a beaucoup de limites. Je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Ce n'est pas gentil du tout. Insultez-moi, je suis une star. Faites comme vous voulez. Insultez même ma mère, il n'y a pas de problème. Mais aller jusqu'à annoncer qu'elle est décédée et que vous me souhaitez les sincères condoléances, cette team-là, franchement, c'est douloureux, hein? Ça fait mal, hein? Vous pouvez même dire qu'elle mange dans la poubelle, qu'elle est même folle. Mais tant que même les folles ont des enfants, au moins tu vois, tu sais que voilà ma mère qui est là-bas à côté de la poubelle, là. Tu sais que c'est ta mère, mais pas qu'elle est décédée. Hein? C'est vraiment méchant. Donc c'était juste une parenthèse. Voilà. Moi, les gens qui viennent me prononcer les noms ici, je vais les bloquer, même si vous êtes de la team. Arrêtez de m'amener la malchance sur mon mur Facebook. Hein? Je vais prendre le carburant. J'arrive, vous suivez mon téléphone, pardon. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que vraiment, j'aimerais rester avec ma mère jusqu'à ce que la mère de ma mère, elle vit encore. Le diabète, la tension, l'insuffisance rénale, ce sont des maladies. Le diabète entraîne beaucoup de maladies dans le corps. Et tant que je peux lui donner ses médicaments, je serai toujours près d'elle pour ça. J'arrive à. C'est pas si vous pouvez surveiller mon téléphone. Je vais prendre le carburant. Je vais mettre combien? Je vais à Saint-Denis, je vais me faire les ongles quand même, non? Alors, je vais prendre 30 euros. Donc, je vais payer avec ma carte bancaire. Est-ce que avec la carte bancaire, là, je garde l'espèce, non? Pardon. Je vais payer avec ma carte. Je pars quand même avec les deux. Pardon, surveillez mon téléphone, surveillez mon sac. Hein. J'arrive. Toujours compliqué. Bote manangaya. Bote mamba, bote mae. La 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 la, tout compliqué. La vie toujours compliquée. La 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 la. Bote mamba, bote mae. Compliqué.
Voilà. Bon, je mets ma carte là pour payer l'autoroute. Ok. Oulala, oulala. Quand je chante Fali. Ouais. Je ne chante pas Fali, comment les gens. Voilà. Je chante Fali, non. Ça dit que quoi? Monte manangaya. La vie toujours quoi. Ok. Ok, très bien. Donc, mes gens, vous savez que quand tu es mal, hein? Ça, c'est un truc qu'on ne force pas. Parce qu'en fait, vous voyez pas que ma voix sort. Je me vois pas en train d'aller dans une soirée. Moi, j'aime la fête. Quand je sors m'amuser, je m'amuse en vrai. Donc, je ne vois pas comment je vais être dans une soirée. Les gens s'amusent, je suis assise comme ça. On m'a seulement forcé de venir. Si tu es malheureuse, que tu n'es pas bien, tu as les problèmes. Pourquoi aller dans une soirée, s'asseoir devant le champagne comme ça? Tu fais la bouche. On met la chanson, tu ne danses pas. Tu regardes les gens, tu fais ça. On te force seulement. Si tu n'es pas bien, tu restes chez toi. Donc, j'ai choisi de rester chez moi parce que je ne suis pas bien. Ou bien. Donc, je ne peux pas aller moi m'asseoir quelque part et commencer à mettre la main sur la joue. Parce que les gens qui vont dans les soirées, tu te dis que mais la personne s'est venue. Quoi? Mon frère t'a forcé. Tu arrives dans une soirée, les gens sont dans le joker. Tu l'as. Dans le salon. Dans le salon. Non, je ne danse pas. Je ne suis pas bien. Mais tu n'es pas bien. Mais reste chez toi, bon sang. T'es obligé ou quoi? Wesh. On met Fali, tu ne danses pas. On met ceci, tu ne danses pas. On met Nyou Nyou, tu ne danses pas. On met même toutes tes chansons. Vraiment, il y a des gens qui me tournent ici dehors. Tu vas dans une soirée, tu t'assois seulement pour boire le vin. Mais reste chez toi, boire le vin. Gars, quand tu vas dans une soirée, quand même, c'est pour s'amuser, gars. Moi, je ne joue pas la star, que aller s'asseoir, que quoi. Et quoi, une soirée, je danse jusqu'à la surcoule, je m'en fiche. Et c'est là pour jouer le... Vous me connaissez pas, hein? Oh, j'arrive dans une soirée que j'ai acheté mon habit, je me suis coiffée, je viens m'asseoir, je regarde les gens danser, que non, je joue la star, par rapport à quoi? Je me lève, non, je me lève, je ne joke pas propre, c'est-à-dire que je ne joke pas, c'est sur la dernière. Ouais, le genre de joke que, hein? Quand tu veux sortir, on m'a encore une chanson, tu te rappelles. Tu reviens encore. Mais dès que tu veux sortir, on met... Et les soirées sont que... Quand tu veux sortir, c'est où on met toujours la bonne chanson que tu aimes. Quand tu es derrière go, quand tu es là devant la porte, quand tu es derrière la porte, tu te attends, mais danser la dernière chanson aussi. Love you, oh, get to you, baby, no. Love you, I do. Baby, love you, love you. I do. Oh, love you. Baby, no. Get to you. Baby, no. Love you. I do. Ça, c'est Kelly et quoi là? Et Nelly. On te met encore la chanson quand tu étais jeune. Et que tu restes seulement encore comme ça. Tu entends encore. On met encore autre chose. Merde. Tu dis que non, 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 ça c'est ma chanson. On met les Boys to Men. Les Boys to Men chantent même encore comment là? Les Boys to Men, non. Ouais, la jeunesse. Les gens d'aujourd'hui. Est-ce que vous vivez même? Tu entends, c'est moi, mais les Boys to Men. Après, tu entends, c'est moi. Mais vous connaissez quoi? On met seulement Roche voisine. Roche voisine, il faut chanter comment même? Avec la guitare, non? Il était habillé en jean comme ça.
Quand tu as dit chez un gars, il a le poster. Il a encore ça. Les posters, là, 100 francs, il a collé sur le mur comme ça, la merde. Tu vois seulement le gars avec sa guitare habillée en jean jean. Moi, je vais chanter même comment. Là-bas. Non, non, non. Là-bas. Là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. 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 Après, tu entends ses mains. On met encore même Céline Dion comme ça. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses se danse nouveau. Je cherche ton nom, dans les flammes, je te donne que dans ce nouveau. Je te donne des langues, que t'es loin, que tu m'aimes. Les marabouts m'affrient. Les formules magiques, je te danse ton nom pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes. Hé, hey, maman. Hé, hey, quand nous on était jeunes. Quand tu vas chez un gars, il met ça, c'est qu'il va finir avec toi. Il commence à te mettre les chansons. Je cherche ton cœur. Que tu... Je cherche ton âme, que tu t'emportes. Maman, hey, tu sens que ici, non? Maf, qui finit avec toi? C'est tout. La jeunesse. Oh. Hein? Les gens, vous connaissez quoi? Les réseaux sociaux sont venus, vous connaissez quoi? Nous, on a connu la jeunesse, même si je suis sortie. J'ai commencé à sortir, j'ai connu la vie qu'en France, au Cameroun, je ne connaissais pas tout ça. Nanana, les marabouts d'Afrique, maman. Ouais, maman. Est-ce que vous faites même encore ça? Vous pensez même écrire? Nous, on recopiait les chansons d'amour et les poèmes de ça. Quand tu ne connais pas, tu écris un gars sur le cahier. Tu écris tous les jours. Tu fais les poèmes au gars. Ton cœur sera toujours mon âme. Je vais toujours mourir avec toi. Tu envoies la lettre au gars. Tu écris. Ouais. Vous connaissez quoi, dis donc? Laissez ça. Vous connaissez même quoi? Les femmes là au Cameroun là, vous qui allez partir danser partout là, amusez-vous. Mais gardez votre dignité. Les femmes, les mères de famille, on va vous trouver dans les caniveaux. Les rigoles. Vous n'êtes pas obligé de boire jusqu'à pisser sur vous. La journée internationale de la femme ne veut pas dire que on va seulement entrer boire jusqu'à... Non, la journée internationale, il faut savoir ce que c'est. C'est pour la dignité de la femme. C'est Simone Veil, grâce à Simone Veil, elle a lutté pour la cause de la femme. Ce n'est pas que vous luttez les causes des femmes que dans les bars. Il faut les voir quand elles sont en train de réclamer les choses là qu'ils appellent que le 8 mars. Il faut les voir. Les bagarres. C'est comme ça que le mariage finit. Le 8 mars, je vais aller boire. Donc, il n'y a que le 8 mars que vous pouvez fêter. Et c'est comme ça que vous montez sur la moto à 6. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, avant de sortir aujourd'hui, j'espère que vous êtes vraiment, vous les mères là, les mères de famille, les femmes là. Il faut vous respecter. Le 8 mars, vous n'êtes pas obligé d'aller boire, tomber dans les caniveaux, les rigoles, tout ça là. Ce n'est pas obligé. Respectez-vous. Hein? La journée internationale de la femme. Surtout en Afrique, vous savez que c'est en Afrique qu'on fait les choses là. Ici là, les gens s'en foutent un peu en fait. Donc faites seulement attention quand vous sortez. Et pensez que aujourd'hui c'est un jour de tristesse pour une mère, pour une femme. Une femme qui a perdu son enfant. Elle ne peut pas rigoler, elle ne peut pas jouer. Elle ne peut pas danser et boire. Pensez que nous avons perdu un fils, un frère, un compatriote au nom de Martinez Zogo. Oui,
Il faut avoir une pensée, penser à la douleur de sa mère. Il est bien vrai, ce n'est pas le seul Camerounais qui est décédé. Mais il est parti d'une mort atroce. Donc normalement, chaque femme, chaque mère doit avoir une pensée pour lui. Oui, doit avoir une pensée pour cet enfant, pour ce père de famille qui est parti d'une manière qu'on ne souhaite à personne. C'est vrai, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais ayez une pensée en tant que mère, même dans votre fête. Ayez une pensée pour lui. Ça pouvait être votre mari. Sa femme pleure. Ayez une pensée pour Martinez Zogo. Ayez une pensée pour que plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais ce genre de choses. Plus jamais la mort commanditée par des gens. Que personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Parce que quand tu regardes les pleurs de sa mère, elle dit que à papa ou à ma. Donc, c'est comme mon père, parce que les mamans appellent toujours leur garçon que papa. C'est un signe de respect, c'est le pilier d'une famille. Oui, il faut penser à sa mémoire aujourd'hui. Ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil. On peut même boire la bière en pleurant. Chacun a sa façon de pleurer. On ne vous dit pas de ne pas danser. Mais ayez un petit insigne comme ça en mémoire de cet enfant. Oui, et en mémoire de toutes ces personnes-là qui sont parties de cette manière, de cette façon. Parce qu'être journaliste, c'est dire la vérité, c'est informer. Pas les journalistes bracata de machin. Les vrais journalistes sont faits pour former. Les journalistes vont en guerre. Les journalistes prennent le risque pour informer l'opinion, pour dire la vérité aux gens. Oui, c'est le travail d'un journaliste. Le travail d'un journaliste, c'est d'informer et de dire la vérité sans déformer. C'est ça un vrai journaliste doit dire la vérité, doit informer le peuple. C'est à travers la télé, parce que la télé sera importante et les journaux écrits, qu'on s'informe. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus moderniser certaines choses, mais mettre la pression, parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très fort. C'est pour mettre la pression. Mais il y a aussi beaucoup la désinformation sur les réseaux sociaux. On doit suivre partout. Mais avec beaucoup de prudence. Hein? Donc toute cette femme-là, pensez qu'il aurait pu être votre... Même si vous mettez votre paille du 8 mars, mettez un insigne noir ou rouge. Le rouge, c'est le sang. Le noir, c'est la douleur. Mettez un petit truc, même si c'est une brioche, même si c'est un petit foulard, en rappel que pour ces personnes-là, parce que c'est une mère qui a perdu son enfant, c'est une femme qui a perdu son mari, c'est un enfant qui a perdu son père. Oui, ça n'a rien de tribalisme. Que les gens arrêtent de désinformer et de penser que oh, les Bamilékés c'est monté, c'est descendu. Non, ça quoi ils voient avec les Bamilékés en fait. Hein? La vie de Martinez Zogo a été ôtée par les gens de sa région. Donc si on veut parler, vous avez tué votre frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'histoire retiendra que vous avez tué votre frère. Laissez le mot Bamilékés machin de côté, dis donc. Quand ça vous dépasse, vous voulez tourner sans tribalisme. Il n'y a aucun tribalisme là-dedans. On a perdu notre frère. Et si on veut parler, vous avez tué votre frère. Vous avez ôté la vie de votre frère. Les cagistes de Fosso sont milliardaires. Le président Paul Biya lui-même, c'est un multimillionnaire. On l'insulte tous les jours, il n'a jamais tué personne. On le caricature, on dit plein de choses sur lui. Il a tué qui? Officiellement comme ça, Kohoa. Dans un pays, il n'y a pas deux patrons. Le seul unique président du patron du Cameroun, c'est le président Paul Biya, n'en déplaise. Jusqu'au jour où il va partir, Dieu va l'appeler. Mais pour le moment, c'est lui le patron du pays. Arrêtez de dramatiser. Oh, les Bamilékés, c'est monté, c'est descendu. Vous pensez qu'on ne peut pas. Moi, je ne peux pas mettre la caméra, je vous parle aussi. Vous avez tué votre frère. Hein? Nous sommes tous des Camerounais. Pourquoi, quand les gens veulent parler, vous voulez tribaliser, oh, c'est monté parce qu'on n'avait rien à dire. Ce sont les faibles qui font le tribalisme. Quand on fait le tribalisme, parce qu'on est faible, parce qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à apporter de bon. Oui, ce sont les faibles. On ne pleure pas. Vous pleurez quoi? Vous pleurons notre frère, vous pleurons quelqu'un. Nous, on a vu, on a tué les autres, nous, on n'a pas vu. Nous, on a vu son corps qui était comme on a vu. Les vidéos sont toujours là. Et attention, peut-être bientôt même ça va tourner.
Puisque les gens, même il y a des trucs qui n'ont pas encore été mis. Quand on vous explique comment les gens peuvent ôter la vie de quelqu'un en filmant. Vous avez déjà vu ça où? Et puis non, il y a les milliardaires au Cameroun. Arrêtez de dire que je parle à ces gens-là qui sont en train de dire qu'on est jaloux parce que le milliardaire s'est monté, s'est descendu. Et il y a les gens qui sont riches au Cameroun, qui sont dans le canet, multimilliardaires, qui sont calmes. L'argent ne fait pas le bruit. Mais ce n'est pas possible ça. Les Tebela étaient des milliardaires, non? On a vu les multimilliardaires, non? C'est quoi? C'est quoi? Oh, on est jaloux parce que... On est jaloux. Les gens sont millénaires. Il y a le monsieur là qui a l'hôtel Crystal Palace là. Il y a plein de milliardaires là-bas à l'ouest. Donc, fichez la paix aux gens, dis donc. Fichez la paix aux gens. L'histoire retiendra jamais vue dans le monde entier. Du jamais vu. Vous avez tué votre frère, votre propre frère. Et j'ai vu certaines salopes là, certains bordels qui sont là parce qu'ils mangeaient de deux côtés, les lécheuses de deux côtés. C'est un bordel là que la musique a dépassé. La honte de ça. Mais putain de bordel. Mais l'argent c'est devenu quoi? Il y a des personnes qui sont milliardaires, on les respecte pas, je suis désolée. Hein? Il y a des gens qui ont l'argent, on ne les respecte pas par rapport à leur comportement. N'importe quoi. Quand on est milliardaire, on essaie d'être un peu... On apprend le savoir-vivre. Hein? C'est quoi? Oh, on est jaloux. Jaloux de quoi? L'histoire retiendra que personne n'aurait jamais... Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le seul patron du Cameroun, c'est le président Paul Biya. C'est tout. Le seul patron, c'est lui. Et c'est lui qui décide. Il a décidé de lancer les enquêtes. L'opinion publique du Cameroun n'a jamais été aussi d'accord avec le papa. Tout le Cameroun, une bouche avec le président Paul Biya. Une bouche, aucun qui t'a dit qu'il a rendu les Camerounais fiers. Les Camerounais sont fiers de leur président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voulez combattre le patriarche. Il a décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. N'importe quoi. Oh, les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Vous pensez que... Attendez, hein, je ne suis pas encore prête. Si vous voulez qu'on joue à ça, on va jouer à sa propre. N'importe quoi. Quand je m'adresse, que les gens arrêtent de dire que, certaines. Je m'adresse à ceux-là qui s'asseyent et s'attaquent tout le temps. Les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Dans la mort de Martinez Obo, il n'y a pas de Bamileke. Il n'y a pas de Bamileke qui tienne. Allez faire la mendicité doucement. Oui. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Il faut arrêter. C'est la faiblesse, ça. Mon homme n'est pas Bamileke, hein? Et il ne peut pas être contre ce que je suis en train de dire là. Quand vous avez tué, vous avez ôté la vie de votre frère. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Donc, laissez d'abord ça. Coucou Choukré. C'est comment? Ta belle-mère malade. Je te dis. Tu as souhaité joyeux anniversaire. C'est joyeux fête de 8 mars. À envoie-moi mon tissu noir pour porter. On porte le noir. Merci. Reine cœur, tu vas faire, on va me tuer. Il faut arrêter le tribalisme, Choukré. Vraiment, il faut arrêter. Il y a des trucs qu'on ne fait pas le tribalisme. Et c'est pas rigolo, en fait. Il y a des choses que non. Tu peux soutenir quelqu'un sans tribaliser ça. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Pense à nous qui sommes tes amis. Pense à nous qui sommes avec toi. Être avec toi, mais sans soutenir ce que tu dis. À un moment donné, il faut un peu avoir un peu pensé à ceux qui sont autour de toi. Il faut avoir un peu de retenue dans ce que tu dis. Il est bien vrai. Je ne peux pas te dicter ce que tu as à dire. Mais il faut avoir un peu de retenue. Pense aux gens comme moi qui sont de l'Ouest, qui sont tes amis. Je suis entrée dans ta chambre. J'ai vu que tu as plein de trucs de l'Ouest là, partout, partout. Mais quand on est tribaliste vraiment, tu es un faux tribaliste.
Tu n'es pas un vrai tribaliste. Tu es un tribaliste leurre, en fait. Tu es un semblant de tribaliste. Un vrai tribaliste ne va jamais avoir les gadgets. Tu ne peux pas, si tu étais vraiment un vrai tribaliste, tu ne peux pas voir tout ce que j'ai vu dans ta chambre là, parce que ta chambre est... La chambre de Chouka est décorée en dope. Vous comprenez? Chouka aime qu'on parle de lui. Vous savez que Chouka aime la Starmania. Et quand il n'y a pas de sujet, Chouka, non, c'est comme ça qu'il est. Ce n'est pas un tribaliste. Il n'est pas un tribaliste. Parce que quand tu es tribaliste, tu ne peux pas choquer son plafond. Ça... Son plafond, ça veut le nop. Les tissus, il n'y a aucun tissu de bassin là-bas dans sa chambre. Le choucré, oui, non, c'est vrai. J'étais dans ça. J'étais dans sa chambre, non. J'étais dans sa chambre, non? Ce n'est pas un tribaliste, c'est que... C'est seulement quelqu'un qui est... Là, oui, il ne mange pas. C'est un tchopoupon, non? Où on lui donne, il mange là-bas. Il a fait le tout. Vous le connaissez, non? Chouké, non? Ce n'est pas quelqu'un que tu vas te fâcher. Demain, il est avec toi. Demain, ok, tu le connais. Quelqu'un qui est tribaliste n'a aucune gadget d'ailleurs. Sa chambre, son plafond. Son plafond, ça avait le pain bâtiment. Même ses rideaux. Oui, les gens qui sont là dans sa chambre, il a décoré tout quand il a dit que tu sens qu'il rêvait d'être Bamileke, mais il est né ailleurs. Il va assumer. Chouka va assumer là-bas où il est. Vous comprenez? Les vrais tribalistes ne montrent pas que non. Comment? Et quoi? Il y a une autre gosse derrière les tata Aline. C'est pas les tribales. Elle est pas le, baganté, maman. Elle dit que. Yamseur, mais l'abtouta. Quelqu'un qui est tribal, il peut même essayer de parler la langue de quelqu'un. Jamais. Vous parlez quoi que tu sais. Ça, ce sont pas les tribalistes, ça. Chouké, je vais dire le nombre de poulets. Je vais trahir le nombre de poulets qui ont poulaillé. Je vais dire la vérité au Camerounais. Le nombre de poulets qu'il a au poulailler, je vais dire. Mon frère, comment? Je vais dire le nombre réel. Et vous avez dit que c'est 6 000 poulets, non? C'est 12 000, c'est faux. C'est 12 000 poulets. Et les gens... Vraiment, les gens sont terribles, hein? Et c'est comme ça que c'est un tribalisme bamileke comme les vrais tribalistes bamileke comme les comment on l'appelle là l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les vrais tribalistes bamileke là que quand il me dit va dire à ton va dire à ton gars là que ton aïe mais écoute, je crois que je vais mourir pour toi que derrière. On me dit que va dire à ton ami, à ton ami, ta mère là, qui laisse les bamiers tranquille. Les gens comme ça, ils ne les gèrent même pas. Il fait un truc, va dire à ton. Va dire à ton. Il m'énerve. En fait, comme je suis sur l'autoroute, hein, c'est. Voilà. Donc, il y a les personnes qui m'envoient souvent que va dire franchement. Mais vous êtes. Il faut l'écrire vous-même. Va dire à ton chouquet là que. Pourquoi tu. Va dire à ton. Donc il m'énerve jusqu'à je dis seulement que oh bah je ne réponds même pas. Oh traître, voilà, voilà les gens qui sont tes amis. Ils ont insulté, ça fait quoi? C'est pas aujourd'hui qu'on s'insulte. C'est pas aujourd'hui qu'on insulte les bamiers. C'est pas aujourd'hui que les bamiers qui insultent les autres. Mais une chose est sûre, on est tous des Camerounais, on meurt qu'au Cameroun, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit.
pensaient que parce qu'il fait son show de son côté, mais chacun se cherche sur Facebook. Donc, parce que Chouka a dit que donc ça va faire que ce n'est plus mon âge. Ben non, pourquoi? Il dit ce qu'il veut. Hein? Donc, il faut souvent comprendre que hein, Roberto, lui alors, hein, voilà, alors, Mbamileke, que ouais. Coucou Nicole, ça va Nicole? Tu vas bien ma fille? Comment va ta soeur la Lyon? Depuis je n'ai pas écouté, suivi les directs. Hein. Bonjour ma copine maman Perpé. Bonjour ma co, bonne fête à toi ma chérie. Bonne fête à toi. Bonne fête, beaucoup de courage à toi. À nous. Bien, il pleut un peu. Donc vraiment, je préfère parler avec vous et rigoler comme ça parce qu'en fait, si je ne me sens pas capable de venir faire le direct et être contente comme ça, qu'on papote, bon, ça sert à quoi? Mieux, je ne fais pas. Roberto Ngangou, il fait ses directs avec ses deux personnes. Il faut voir son tribalisme. Ici, 100% Bamileke, tu le vois. Il dit qu'il défend. Ouais, et les autres, l'autre sans caleçon de la Suisse là, qui a celle qu'on appelle coach là, qui avait écarté à un gars et quand il a balancé même ses nudes sur Facebook. Elle aussi est bien parlée. Tu sens une ancienne folle. Coucou la tigresse. Elle est là, elle parle. Ouais, oh la misère. C'est monté, c'est descendu. Ça dit que les gens, vous savez que le banga c'est quelque chose. Hein. Il y a les gens qui prennent les réseaux sociaux pour la réalité. Mais putain, mais c'est du virtuel. On m'a dit qu'il y a des personnes qui ont parlé de moi. Quand je m'assois sur Facebook, le jour que je vais clasher, je clash. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire que ne réponds pas? C'est la dernière fois que les gens, vous derrière Facebook, vous me partagez les trucs des gens. Oh, telle a fait comme si telle t'a insulté. Ça ne va pas, non? Moi, je ne vais pas vous insulter. Hein? Il faut arrêter. Moi, quand tu es mon détracteur, tu ne t'écoutes pas. Non, 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 je ne suis pas. Qu'est-ce que tu vas aller suivre? Tu sais, quelqu'un te déteste, tu écoutes quoi? J'ai pas besoin d'écouter, wesh. Voilà, la dernière fois, bonne fête à toutes les femmes encore. Une femme, c'est celle qui chérit son mari, ses enfants, une femme digne, qui se respecte dans tout ce qu'elle fait. C'est ça. Respectueuse envers sa belle famille, envers son homme, et qui se respecte elle-même. Nous sommes aujourd'hui le jour. Nous sommes aujourd'hui le jour de la femme, on va dire. Moi, j'aimerais dire aux femmes, respectez-vous et respectez vos familles. Et respectez aussi nos mœurs, nous les Africains, nos coutumes. Il faut respecter aussi nos mœurs. C'est très important. La dernière fois, je devais faire un direct. Le direct que je devais faire, c'était entre deux nordistes. Femme en Afrique qui pleure qu'un homme Maguida au Canada a mangé son argent, l'a épousé et l'a abandonné. Mes chers frères et sœurs, on dit que dans une histoire il faut toujours écouter les deux versions. L'homme là m'a contacté, il m'a donné sa version des faits. Je suis reparti vers la dame, elle m'a dit qu'on laisse d'abord. On laisse d'abord le direct. Elle s'est rétractée d'abord. Et j'ai compris. Moi, je vais en profiter pour dire une chose. Quand je parlais au monsieur, je donne juste un petit passage comme ça. Aussi pour dire aux femmes. J'ai parlé au monsieur, j'ai dit, comment tu peux doter une femme? Tu vas voir ses parents. Et tu fais ça. Parce que certains hommes draguent le premier jour, il part déjà voir la famille de la femme. Ça ne se fait pas. L'homme là m'a expliqué que cette fille a acheté les pailles elle-même. Elle a acheté tout ce qui concerne la dot. Elle a mis dans la valise. Elle a dit à l'homme là que pardon, va donner chez nous. C'est ce que l'homme là m'a dit. Que je n'ai jamais moi doté. Oh. Je ne l'ai pas moi doté. C'est elle-même qui a acheté ces choses. Elle a fait les valises des trucs. Elle m'a dit que pardon, va alors chez mes parents,
tu te présentes, tu donnes ça que tu es venu me doter. Et il m'a dit qu'elle avait d'ailleurs présenté encore un autre gars Bassan à ses parents. Que lui n'a rien doté là, que c'est elle-même qui s'est dotée. Mes soeurs, mes chers frères, mes chers soeurs, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est une bonne chose, les femmes. Non, c'est bien. Moi, on ne force pas le mariage. J'ai demandé à ce monsieur que, mais dites-moi un peu. Là-bas, chez les Aoussa, dans le Nord, c'est une femme qui achète ces choses, elle se donne. Il dit que jamais, non. Ce n'est jamais comme ça. Que ça n'a jamais été comme ça, oh. Que il n'a rien donné. Et il y a beaucoup de femmes ici, même en Bénin, qui vont se doter en Afrique. Je dis et je répète toujours, une femme peut contribuer pour son mariage officiel. Parce que c'est ton plus beau jour. Mais un truc traditionnel, tu veux que l'homme là se sente responsable comment? Quand tu prends les choses, quand tu achètes des choses toi-même, tu peux donner à un homme d'aller donner pour te doter. Tu veux qu'il se sente psychologiquement comment? Moi, je me souviens une époque, paix à l'âme de mon papa, hein? Quand ça n'allait pas, vous savez, au pays là, et bien, faites comme nos parents, non? Il faut laisser l'homme te doter, que quand il commence à réclamer son argent de dot, ta famille est capable de rembourser même. On chasse seulement ta mère que rentre dans le mariage. Moi, je voyais ça avec ma mère. Quand mon père commençait à dire que, comme elle rentrait chez eux, mon père venait seulement là-bas, il dit que, donc dans ce cas, alors, vous remboursez-moi alors tout ce que j'ai doté. Que non, dans ce cas, elle est rentrée, il n'y a pas de problème. Mais qu'on lui rembourse tous ses trucs de dot. Oh, il dit que non, remboursez-moi, j'avais donné tel nombre de tchin-tchin, j'avais donné ceci, j'avais donné cela, mais remboursez-moi, elle rentre, il n'y a pas de problème. Et quand les parents voient comme ça, puisque quand ils prennent les choses de dos, ils ne mangent pas seuls. Est-ce qu'ils sont alors capables de rembourser? On te chasse seulement que non, dans ce cas, arrange avec ton mari, parce que nous, là où on est là, on n'a pas nous pour rembourser. Oh. On n'a rien pour donner. Ce n'est pas comme aujourd'hui que les femmes vont se doter seules. Quand c'est comme ça, même si tu parles, le gars, il s'en fout. Il a dépensé quoi? Il n'a rien dépensé. Donc, psychologiquement, même si tu fuis, ça, même si tu, le mari ne donne pas, tu, que tu rentres, ça lui fait quoi? Bonjour maman, pressez la classe. Bonjour ma bango. Hein? Il faut souvent arrêter. Il faut souvent laisser que la responsabilité soit même psychologique. Tu vas te doter. Il y a les filles qui donnent les bouteilles. Donner encore la bouteille, c'est rien. Tu ne peux pas, même la tradition ne peut pas accepter ta chose là. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas. Une dot, que c'est la femme elle-même qui achète pour aller donner. Les ancêtres ne peuvent pas accepter. C'est comme si tu t'achetais. Mais comment est-ce que tu peux te doter toi-même? Même dans la coutume, ça ne passe pas. Hein? Mais laisse que l'homme la bave, il cherche lui-même son argent. S'il t'aime, il cherche lui-même son argent. Il part te doter. Quand il pense qu'il a, ouah, il a prêté à ses amis, tout ça, là, les filles, arrêtez de compter. Non, 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 sérieux. L'autre là, vraiment, c'est la vérité. Arrêtons un peu. Tu peux encore faire que, bon, tu peux même encore faire que, ok, quand ton homme, quand un homme donne rendez-vous, qu'il s'en va te doter, bon, tu donnes l'argent derrière à ta propre famille de recevoir la famille de ton mari. C'est normal. Tu ne veux pas la souillure. Tu en ben. Ta belle famille va aller voir la famille. Tu envoies en solo à ta mère. Tu dis que maman, pardon, reçois bien la famille là, parce qu'il faut aussi faire le tap à l'œil. Montre au gars que tu n'es pas en train d'aller n'importe où, hein. Hey, mon frère. Tu montres aussi au gars que c'est pas le bracata. Que jamais, comment ta famille reçoit la belle famille. Mon frère, c'est normal que tu envoies l'argent à ta famille, que non, recevez bien la belle famille, hein. Parce que tout ça là, ça joue dans le mariage. Il ne faut pas que quand ta belle famille part préparer, arrêter, ils vont, ils se préparent, ils arrivent dans ta part de famille. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, les gens ont soif. Ça va jouer sur ton mariage toute ta vie. Vous connaissez les belles familles, quand ça va parler avec tu déjà une pauvre famille. Une pauvre famille comme ça. Le jour qu'on est allé là, même l'eau à boire, ils sont chiches. C'est monté, c'est descendu. Pourquoi tu ne souffres pas de ça toute ta vie dans ton mariage, non? Tu vois avec ton homme, même ton homme. Tu peux penser que quand ton homme va voir ta belle famille, ta famille, tu crois qu'il n'appelle pas sa famille derrière, il donne aussi quelque chose.
ils donnent tout. Si tu fais malin, malin et demi, je donne à ma famille, tu donnes à ta famille. Pour recevoir bien, que quand ils arrivent, ils mangent, ils boivent, ils confirment que ça, c'est ce qu'on appelle une famille. La fille-là ne sort pas de n'importe où. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Ça encore, tu peux donner. Mais pas que tu achètes le whisky, tu achètes le porc, tu achètes le bœuf, tu achètes tout ce qu'on demande, tu achètes le pain, la boisson, tu achètes tout ça là. Tu dis que on est venu te doter alors que c'est toi-même qui te dote. Mais comment tu veux que là, les ancêtres bénissent ça, ça là? Comment ça c'est pas la quantité qui est importante en fait. C'est un geste coutumier. Ce n'est pas la quantité, c'est la, ça dit que c'est la façon, la qualité. Aujourd'hui, tu vois n'importe quel gars, n'importe quel voyou, n'importe quel bandit se lève. Je vais aller toquer la porte en décembre. Je vais aller te doter en décembre. Je vais aller toquer. Oui, toquer porte. Ils aiment trop ça. Toquer porte. Novembre, décembre. Voilà les mois de toquer porte. Oui, mon toquer porte. Tu entends une fille qui se vante là. Oui, mon toquer porte. Mon gars toque la porte. Il fait le toquer. On parle toquer porte là. C'est une bouteille. C'est le coco, c'est une bouteille. Mon gars me toque. Mais c'est le toquer porte. D'autres filles font même ça. Mon gars, tu ne peux faire le toquer porte. Toquer porte. Toquer porte. Mon toquer porte, c'est décembre. Mon toquer porte. Hein? Et on parle comme ça, c'est des bandits. Hein? Le toquer porte là. Il y a même des filles que c'est elles qui donnent le toquer. Le toquer porte. Elle subit le gars. Oui, on dit que pour toquer porte, il faut seulement des choses. Pour lequel laisse le gars aller se battre pour acheter des whisky des d'autres là. Ça coûte même quoi? De toquer porte là. C'est encore elle qui dit, le gars dit que oui, donne-moi un peu là, je vais aller toquer la porte. Non, tu sais que je n'ai pas. Hein? Tu sais que je veux bien être avec toi. Je veux bien te doter. Je veux bien même aller chez tes parents. Je n'ai pas de moyens. Un gars qui t'aime, il va trouver, même si tu aller prêter. Il va prêter, il aura ses moyens là. Donc les filles, arrêtez. Ça, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Mais comment tu veux qu'un gars te respecte? Le jour que ça ne va pas, il dit que dis donc, là, dis donc, c'est toi qui vas acheter la bouteille pour aller que je donne. Et tu vois les gars là, dès que ça toque, ils toquent même 5 portes. Hein. Ils toquent, ils font toquer pour la banque. Bah, c'est. Le toquer pour, c'est pour endormir la famille. Hein? Et les femmes aussi, que dès qu'elles rencontrent un homme, elles allaient amener chez eux. Tu vas amener combien de gars toquer porte? C'est parce qu'on n'a même pas de respect pour vos familles en fait. C'est parce qu'on ne respectait même pas vos familles. C'est pour ça que dès qu'un gars te parle, tu passes seulement, oui, il faut aller toquer porte. Donc devant ta famille, tu as amené 4 gars toquer porte. Personne n'a fait la dot. C'est toujours, ça s'arrête toujours au niveau de toquer porte. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas bien. Tu n'as aucun respect pour ta famille. On apprend à connaître quelqu'un, on vit avec. Et puis on fait le reste. On fait le reste. C'est pas la course en fait. Ce n'est pas la course. Est-ce que ta famille a dit qu'ils ont soif combien les toquer portent? Ils n'ont pas soif. Donc arrêtez de souiller vos familles. Arrêtez. Quand vous faites ça, quel gars va respecter? Non, arrêtons un peu. Nous les femmes, on exagère, dis donc. On exagère. Vraiment. Quand un homme te drague, arrête de montrer que tu as les moyens. Je peux. Non, un homme qui t'aime, il fait pour toi. Il fait pour toi. Ce n'est pas que dès qu'un homme t'a dit bonjour, tu commences à citer que oui, c'est mon. Non, quand même, tu ne sais pas bien. Hein, les filles. Hein? Après, on apprend à se connaître et puis on avance. C'est vrai qu'avec les watts, les blancs, c'est un homme. Le blanc, on sait que leur culture, c'est ça. Un blanc te drague aujourd'hui. Il fait mal avec toi-même un mois, il t'épouse. Ça, non, il n'y a aucun problème. Mais les Africains, c'est pas comme ça dans nos mœurs. Oh là là. Vous voyez un peu, non? Je dois aller à. Oh là là. Quand je sortais à Saint-Denis. Laisser, hein, parce que je suis allée à Paris là, il faut que je regarde le GPS.
qu'il pleut même. Dans les cœurs, on a passé un très bon moment ensemble. Hein? On a passé un bon moment ensemble. On se dit peut-être, je sais pas. On se dit, oula. Prenons la route en passant par A86 et périphérique intérieure est. Dans 2,9 km. Série à droite, A86 en direction d'Aubervilliers. Aubervilliers, d'accord. Estimé dans les embouteillages, 8 minutes. On perd un peu le temps, non? Il y a les bouchons. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Hein? 8 minutes. C'est ça en fait, Paris, hein. Faut laisser tomber. Paris, c'est des bouchons. Je vous laisse alors, non? Si vous m'avez trop vu, j'espère que je vous ai manqué. On a tapé un peu le divin, non? Donc voilà. Oui, je suis en noir, non? C'est la journée internationale de la femme. Je suis en noir. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, là, il y a le Ndjoka au refuge. Le refuge. Ce soir, il y a le Ndjokam très mal même au refuge. Donc, venez nombreux. Je vous ai mis la fiche et l'adresse. Vous connaissez le refuge, non? Les femmes vont bien s'éclater aujourd'hui. Toujours avec une pensée pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont plus avec nous. Merci pour les étoiles. Hein. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous hein, pour les étoiles. Un gros bisou. Je mets ma musique et je continue. Bisous, bisous. Je vous love. Bonne fête encore à toutes les femmes, ainsi que même à mes détracteurs. Bonne fête de femmes à vous tous. On est ensemble. Bisous, bisous. Je vais me faire quand même les ongles. Ça fait longtemps. Je vais me faire les ongles. Bisous à tout le monde. Bye bye.